Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte du Wheezy Pack. Donc, c'est un pack hygiène et entretien de chez Greenvees, donc le magasin bio en ligne. Donc, j'ai commencé à l'ouvrir pour voir un petit peu. Et puis, en fait, on a déjà des petits soucis. On a une poudre qui s'est enfuie. Donc, on va voir un petit peu l'état des dégâts maintenant. Alors, on a tout d'abord ces gants en latex. Non, en latex. Oui, en latex écolo. Donc de la droguerie écologique, donc on a une paire de gants de taille M. Ensuite, on a une boîte de 80 mouchoirs en papier, donc de la marque Glacier, je dirais ça, Glacier Natural. Et donc voilà, je ne connais pas du tout cette marque, mais bon, à mon avis, si Greenvees l'a choisi, c'est parce qu'il y a un petit côté écolo. Donc là, c'est 100%, alors je sais, c'est composé à 100% de fibres d'origine recyclable. D'origine recyclée, pardon. Voilà. Donc, je connais pas. À voir après s'ils sont efficaces et si la douceur y est. Ensuite, on a un gel lavant. Alors, il y a vraiment une poudre qui s'est... Ah bah, ne cherchons plus l'erreur. On a donc le sac de bicarbonate de soude qui est déchiré, là. Donc, je pense que la poudre qu'on a un peu de partout, c'est ça. Donc, je l'évacue sur le côté, histoire que ça nous... qu'on remue pas tout ça et qu'on en mette de partout. Alors, on a un gros flacon de gel lavant, donc je crois qu'on a à peu près un litre. On a un litre, donc c'est un produit qui est vegan et cruelty free. Et donc c'est un gel lavant corps, visage et cheveux. Donc voilà, bon, je pensais m'en servir peut-être pour les mains, parce que du gel douche, j'en ai. Mais du gel lavant, je commence à en manquer. Voilà. Ensuite, poursuivons. On a du liquide vaisselle de la marque L'Artisan Savonnier. Donc, voilà, c'est un produit qui est agréé par EcoCert. Voilà, donc c'est pour le lavage de vaisselle à la main. Donc, il est au calendula d'origine biologique. Et donc, on a une contenance d'un litre. Il n'y a rien à dire de plus pour ce produit. Ensuite, on a ensuite deux éponges pour l'art classique. Donc, des éponges françaises issues de cellulose végétale. Voilà. Ah ouais, elles sont pleines de poudre. Voilà, et donc c'est de la marque La Droguerie Écologique, comme le produit qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est un peu pénible qu'il y ait de la poudre de bicarbonate de partout. Ensuite, on a du vinaigre de vin blanc de la marque Ecodoux. Voilà, donc c'est du vinaigre avec 12% d'acidité, voilà, et avec des produits issus de l'agriculture biologique. Ensuite, on a... Alors ça, c'est mon petit chéri, c'est un savon de Marseille, donc avec 72% d'huile végétale qui est agréé par EcoCert. Donc c'est la marque La Corvette, c'est une des plus vieilles savonneries de France. Donc avec le fer à cheval et Marius Favre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc normalement 72% d'huile d'olive, on a le pain de 300 grammes. Ensuite, on a un produit qui m'intéresse moyennement. C'est des tablettes de lave-vaisselle à oxygène actif et sans phosphate, ni phosphonate. Donc voilà, 30 pastilles avec un film hydrosoluble agréé par EcoCert et Made in France. Pour un lavage de la vaisselle plus écolo, avec une formule concentrée et aucun parfum de synthèse. Bon, on a vraiment de la poudre de partout. Je pense que je vais écrire à Greenvees pour voir s'il y a possibilité de me renvoyer le paquet, parce que là, ça devient vraiment quelque chose. Donc là, on a deux gros rouleaux de sopalin, enfin de sopalin, d'essuie-tout, donc de la même marque que les mouchoirs, donc Glacier Naturale. Ils disent coloré par la nature, je pense que c'est surtout que c'est la couleur naturelle de la cellulose, il est un peu marron, et donc non blanchi au chlore. Et donc je pense que c'est un peu la même idée que pour les mouchoirs. Voilà, on poursuit. Donc on a un petit flacon de gel hydroalcoolique de 100 ml, voilà, appréciable vu la période d'épidémie du coronavirus. Et ensuite... des sacs poubelles, 30 litres, donc ils sont dits écolo, pourquoi ? Fabriqués en Union Européenne, donc c'est des 50, on a 70, alors c'est des 50 x 70,
Donc de la marque La Droguerie Écologique, et je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est parce qu'ils sont 100% recyclables. Et ils sont issus, donc sont fabriqués à partir des fibres de la canne à sucre. Donc pas mal comme idée. Bon, en fait, ils extraient l'éthanol de la canne à sucre. Et ils en font des bioplastiques, visiblement. Ensuite, on a ce produit-là, qui est un gel détartrant WC de la marque Étamine du Lys, que je ne connais pas du tout. Voilà, donc on a un produit français d'une contenance de 750 millilitres. Voilà, et puis c'est tout. Ensuite, on arrive à la fin. Alors, on a un dentifrice. Un dentifrice à l'amande bio, donc c'est de la marque Alviana, que je ne connais pas du tout, donc qui est visiblement vegan et cruelty free, et qui contient, bon, je sais pas trop, 75, donc c'est 75 millilitres, voilà. Donc on arrive au dernier produit du paquet. Donc on a de la lessive, alors celui-là aussi c'est pris un coup, alors donc de l'artisan savonnier, donc on a une lessive liquide concentrée, garantie 33 lavages, qui est efficace à partir de 30 degrés pour les blancs et les couleurs, donc qui visiblement qui est agréé éco-certe, qui est à base de lavande issue de l'agriculture biologique, qui est made in France, et on a 1,5 litre. Que dire de plus? Et pour terminer, je pense que c'est le dernier produit. Bon bah, on n'a pas présenté le bicarbonate, parce que il tapisse bien le fond du carton, et voilà. Et pour terminer, on a du papier toilette, donc du même principe que les mouchoirs, de la même marque que les mouchoirs et l'essuie-tout, donc du glacier natural, donc qui est également marron couleur cellulose. Et donc triple épaisseur, voilà, issu de papier recyclé, avec des écolabels, plein de labels, c'est magnifique. Voilà, voilà, bon, je suis un peu déçue globalement d'avoir un article endommagé. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !